Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 9h moins le quart. J'ai chaud d'un coup. Je suis juste en brassière, hein. Je suis pas à poil, je suis en brassière en dessous de mon gilet. Petit week-end. Vendredi, avec chérie, on a été chez Action et on a été aux courses. Je vais vous montrer après ce que j'ai acheté chez Action. J'ai pas acheté grand-chose. J'ai plus le ticket, hein, mais voilà. Et on a été aux courses. Elle le fait exprès, ma parole. Allez. Et samedi matin, on a été chercher Mia chez ma mère. Donc, c'est le chien de ma mère que je vous avais parlé, le petit chihuahua que j'avais craqué dessus. Pour la récupérer, sauf que, alors tout se passe bien avec les autres chiens, ça va nickel, mais je vais la ramener aujourd'hui. Ça me fend un peu le cœur parce que j'adore cette chienne, mais elle a un problème à l'arrière-train. Je vais vous la montrer après, là, ils attendent tous à bouffer, donc elle a un problème à l'arrière-train et du coup j'angoisse, je suis pas bien, je stresse toute la sainte journée, la nuit. Et tout ça parce que j'ai peur qu'elle tombe, j'ai peur que Riley lui donne un mauvais coup, puisque vous connaissez la délicatesse naturelle de notre cher Riley, et qu'elle se retrouve paralysée ou un truc comme ça, ou qu'elle lui casse quelque chose. En fait, on a l'impression que c'est... Apparemment, bon, ma mère a déjà fait une radio, donc c'est pas dû à son ossature. On a un peu l'impression qu'elle a les muscles atrophiés et en fait que ses muscles sont pas assez puissants pour supporter son arrière-train. Donc il y a des fois où elle tombe toute seule, juste l'arrière, hein, pas tout. Quand elle essaye de grimper la marche dans le jardin, elle a les pattes qui partent en cacahuète. Elle ne sait pas monter sur le divan, elle ne sait pas monter les escaliers. Riley ! Mais en dehors de ça, elle va très bien. Hein. Mais moi, j'ai quand même peur qu'elle soit beaucoup plus fragile à ce niveau-là et qu'avec Riley, il arrive une catastrophe. Et là, je pourrais pas, je culpabiliserais beaucoup trop, je m'en voudrais toute ma vie en me disant j'ai été égoïste, j'ai craqué sur un chien et juste parce que je la voulais, je l'ai mise en danger. Donc là, on va déjà la ramener ce soir chez ma mère. Là, ça fait trois jours, deux... Oh, attendez, samedi, dimanche, lundi. Ça fait deux jours qu'elle est chez nous. Donc c'est un peu comme si je lui avais gardé pendant qu'elle était absente. Et ma mère va faire des examens supplémentaires avec elle pour voir, pour être sûre que, bah, que ce soit rien de dangereux pour elle, que ce soit pas... je sais pas si c'est une malformation de son bassin. Bah non, parce que ça, au radio, il l'aurait vu. Donc je pense vraiment que c'est musculaire. Mais voilà, ça m'angoisse beaucoup trop et moralement, je suis pas, enfin psychologiquement, je suis pas dans un état à pouvoir être en stress comme ça constant. Yuki se sent un petit peu mis à l'écart, mais il se noue sur mes genoux. Il se sent un petit peu mis à l'écart aussi parce que. Elle, mais Riley vient d'ouvrir mon tiroir de crayons, non mais je rêve. Enfin voilà. Mais sinon, avec les chiens, ça se passe bien. Hein. Riley joue beaucoup avec, Yuki aussi. Ryan s'en fout, voilà, Ryan. Oh, lui, il s'en fout totalement. Arrête avec mes tiroirs, t'as le tien. Va chercher tes jouets et laisse mes affaires tranquilles. Après, je vais aller vous donner à manger. Donc, j'étais pas bien. Hier, j'ai pleuré beaucoup, beaucoup à cause de ça, parce que j'adore cette chienne, je me suis vraiment attachée à elle, hein, et elle est très attachée à moi aussi. Mais voilà, bon, je pourrais continuer à la voir chez ma mère. Et voilà. Je peux pas être égoïste, je peux pas la mettre en danger par égoïsme, vous voyez, juste parce que voilà, je l'aime bien. Yuki, t'as carrément tes pattes dans mon bénitier là. Oui, ma Mia, je vais te prendre après. Je t'ai couché sur mon bureau. Et voilà, c'est. Je me suis beaucoup posé de questions. J'ai essayé de bien faire abstraction de mes sentiments et de réfléchir au bien-être de la bête. De Yuki aussi également, un petit peu du mien aussi, parce que bon, est-ce que je peux continuer à être en état de stress comme ça tout constant parce que j'ai peur qu'elle tombe, j'ai peur que Riley lui foute un coup, j'ose même pas la laisser aller dans le jardin toute seule, vous voyez, je peux pas m'ajouter une dose de stress supplémentaire à ce point là
Je ne savais pas qu'elle avait ce problème au bassin. Je ne l'avais jamais vu parce que quand je vais chez ma mère, elle est tout le temps sur mes genoux. Donc je savais qu'elle ne savait pas grimper sur le canapé, mais je me suis dit c'est juste une grosse feignasse. Par contre, j'ai réussi en 15 minutes, j'ai réussi à lui apprendre à descendre du canapé. Donc c'est déjà pas mal. Allez, arrête de grogner! Elle veut jouer avec, donc elle lui grogne dessus. Normal. Arrête de mordre, toi! Il se laisse totalement aller, ce chien. Il est pas normal. Regardez-moi ça. Il se laisse totalement aller. Et voilà. Donc, je veux pas être égoïste. Parce que, voilà, les animaux, c'est pas des objets. On ne joue pas comme ça avec eux. Maintenant, j'ai la grosse inquiétude que, bah, du coup, ça n'aille plus chez ma mère. Parce que, ici, c'est comme si elle avait tout le temps habité ici. Hein. Rien à foutre. Mais j'en reparlerai avec ma mère à ce moment-là. Si jamais ça va vraiment plus chez elle, je la reprendrai, hein, puisqu'ici ça se passe bien. Mia, viens. Je vais vous la montrer. Viens, viens, bonjour. Voilà, c'est Titite Mia. Mais ouais, bah, franchement, bah, vous voyez, elle est super affectueuse, elle est gentille, elle est calme, j'ai rien à dire, franchement. Bon, elle a tendance à attaquer un peu quand elle a peur, elle attaque Riley ou le gros. Elle adore mordre les pattes des autres. Mais sinon, ça se passe vraiment très bien, il n'y a rien à dire, quoi. Un petit peu de jalousie de la part de Yuki. Je pensais que ça serait plus compliqué avec Riley, mais au final, ça s'est passé tout seul avec Riley. Mia, arrête! Elle mord aussi comme Yuki, pourquoi on la caresse? Mais ouais, voilà, c'est vraiment. C'est pour sa sécurité que je m'inquiète, quoi. Pas pour son bien-être, puisque ici elle est très bien. Mais c'est vraiment pour sa sécurité. J'arriverai pas à me le pardonner si jamais Riley lui donne un coup et que ça lui déboîte le bassin, ou qu'elle doit être hospitalisée, opérée, ou piquée, parce que c'est grave. J'arriverai pas à me le pardonner. Je ne peux pas. Dire je la garde juste parce que voilà, je l'aime bien, c'est un beau petit chien, c'est un petit chihuahua, mais je peux pas faire ça à la bête, quoi. Voilà. Mais au moins on sait qu'elle se plaît bien ici, donc rien n'empêche que quand ma mère elle vient, elle la prenne avec pour jouer. Quand moi je vais chez elle, bah, je prends une fois Riley, une fois Yuki, comme ça elle se défoule un peu. Elle est pas seule, hein, chez mes parents, il y a un autre chien aussi, un Yorkshire, qui joue pas beaucoup. Croquette, c'est un peu. La déprimée de service, en fait, elle est jamais très bien, elle est jamais très en forme, cette chienne. Elle a vraiment, ouais, je pense que c'est une dépressive. Hein, sinon, voilà, de temps en temps, elle joue. Et voilà. Et donc, hier, ouais, c'était vraiment journée interrogation. J'arrêtais pas de demander à Chéri ce qu'il en pensait et tout ça. Lui, bon, il me dit, tu fais comme tu veux, voilà, on fait comme tu veux. Donc j'ai un peu demandé l'avis aux filles aussi, j'en ai parlé un peu avec ma mère, parce que ça m'angoissait vraiment. Et elle m'a dit, écoute, maintenant c'est pas un souci, on verra, on fera les examens, et puis on verra comment ça évolue. Mais ouais, elle est adorable, quoi. Donc voilà pour cette partie-là. Donc du coup, hier, mon frère est passé aussi pour démarrer. Riley! Pour démarrer le carrelage au sol, pour montrer à Chéri par où commencer, et ils ont installé la paroi de douche. Donc ce matin, je vais aller prendre une bonne douche sans le vieux rideau tout dégueu, enfin tout moche, il n'était pas dégueu, il était moche, enfin mode camping quoi. Ça fait du bien, voilà. Et là, cette semaine, Chéri va essayer d'achever le carrelage au sol petit à petit, faire comme il a fait avec le reste des carrelages au mur quand il rentre du boulot. Bon, pas aujourd'hui parce que j'ai le kiné le lundi. Mais quand il rentre du boulot, bah, il se fait une petite quantité de colle, il colle 5-6 carrelages, et puis voilà quoi. Bon, des fois ça peut être que 2 ou 3 s'il y a beaucoup de découpes et compagnie. Donc voilà, normalement au week-end prochain, grand max, elle sera terminée enfin. Il a hâte aussi, hein. Là ça commence à sentir bon la fin, donc il commence aussi à se dire là il est temps de terminer. Et voilà, donc j'irai vous montrer l'avancée, je pense, demain, parce qu'aujourd'hui, il ne saura rien faire de toute façon. Du moins, pas grand-chose. Peut-être quand on rentre du kiné, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. On verra bien. Et voilà. Là, j'attends, je vais sécher mes cheveux, je vais nourrir le chien, sécher mes cheveux. Puis je vais tourner la partie du hall de mes affaires, de la partie 2 du hall Temu.
Comme ça, quand ça se lève, on achève. Mais comme je suis levée depuis 5h du matin, je commence à fatiguer déjà. Oui, il est déjà 9h, ça fait déjà 4h que je suis réveillée. Et du coup, j'ai déjà préparé ma machine, je vais la faire tourner. Et voilà, là je commate déjà un peu. J'ai reçu un autre colis Temu aussi aujourd'hui. Donc je vais voir comment la journée se passe. À mon avis, je ne ferai pas grand-chose aujourd'hui parce que je suis éclatée là déjà. Un petit bébé, ça. Bon, allez, sur ce, oui, ça m'a pas examen aujourd'hui, l'examen demain et après-demain. Donc je ne sais plus c'est quoi, je vous dirai demain. Je ne sais plus c'est quoi ces examens. Il doit avoir français dans le lot, parce qu'il n'a pas lu encore. Et voilà, bah écoutez, moi sur ce, aujourd'hui j'ai rien de spécial à dire ou à faire, sauf principalement me reposer après. Surtout avant d'aller au kiné, parce que si je suis fatiguée pour aller chez la kiné, ça ne me fait pas de bien, ça ne me détend pas assez. Enfin, je suis pas assez. Après, je suis quand même tendue, quoi. Je suis pas décontractée, mes muscles sont pas décontractés. Donc, il faut que je sois bien reposée pour aller chez la kiné. Mais comme j'attends également un colis, il faut que j'attende que Georges se lève pour aller me coucher aussi, pour qu'il soit là pour le colis. Donc, ben, c'est tout un bordel. Et il faut que je coupe les cheveux aussi aujourd'hui. Propos, il est assis comme ça, pas couché comme ça, et il attend sa poulette. Hein. Bon, je vais aller leur donner à manger et faire ce que j'ai à faire. Et voilà. Donc, sur ce, on suit le jour. Je viens de tourner le Disney Challenge. Or, je vous le montre parce qu'il est sorti hier pour vous. Il est 8h10. Donc, bah voilà, tout simplement. Je vous ai pas pris hier parce que bah déjà lundi soir on a été ramener la chienne chez ma mère, donc j'ai un petit peu stressé jusqu'à ce que hier ma mère me dise qu'elle était rentrée et que tout allait bien parce qu'elle était toute seule avec Enzo et, bah, et Croquette, hein, mais voilà. Sinon, hier je devais tourner cette vidéo hier. Je me suis réveillée à 5h, j'ai été me coucher à 22h et je me suis réveillée à 5h. Donc je pétais la forme. Mais après, j'ai dû attendre que ce soit l'heure pour aller réveiller Sam. Ensuite, j'ai dû attendre que les chiens y rentrent. Donc j'avais déjà fait mon teint, moi. À 6h du matin, mon teint était fait pour tourner cette vidéo. Et après, les chiens ne voulaient pas rentrer, c'était l'heure de les nourrir, donc je leur ai donné à manger, j'allais filmer juste après. Sauf que, entre-temps, j'ai eu un coup de pompe, mais alors phénoménal, et je me suis retrouvée dans mon lit. Donc j'ai dormi jusque midi et demi. Voilà, j'ai été me coucher à 9h et je me suis réveillée à midi et demi. Donc j'ai pas tourné, parce que j'aime pas tourner l'après-midi. Moi c'est le matin, dès que ça m'est parti, ou enfin dès que je suis prête en fait, voilà, moi j'aime bien filmer le matin. J'aime bien que ce soit la première chose que je fais le matin. Mais là, entre 5h et 8h30 que je nourrisse les chiens, j'avais déjà pas arrêté, donc j'avais fait mon teint, mais j'avais pas arrêté de faire d'autres choses, donc du coup j'ai pas filmé. Donc je me suis j'ai démaquillé mon teint et voilà, je viens de le filmer maintenant. Au moins, je suis pas à la bourre, c'est le principal. Et hier, alors quand je me suis levée de ma sieste, la lampe de la salle à manger ne fonctionnait plus. Pouf, comme ça, d'un coup, elle s'allume plus, alors que la lampe elle a même pas un mois. Chérie vient de l'acheter. Donc j'espère qu'il a encore le ticket de caisse parce qu'il va la démonter et aller la ramener, hein, parce que voilà. Mais du coup, je me retrouve dans la pénombre parce que même qu'il y a du soleil dehors, il fait super beau. Hier, j'avais super chaud. J'ai eu chaud. Pendant un moment de ma journée, j'ai eu chaud. Donc malgré qu'il fait super clair dehors et super bon, le soleil ne rentre pas chez nous. Donc il fait tout noir. Donc c'est un peu chiant. Voilà. Je vais vous reprendre en bas parce que du coup je vous ai toujours pas montré ce que j'ai acheté chez Action et ça traîne sur ma table que j'aimerais bien les ranger. Et j'ai terminé un diamond painting que j'avais commencé il y a très longtemps et j'en ai entamé un autre parce que là j'ai fait une commande Temu hier. Puis de toute façon j'attends encore, je sais pas combien de commandes là. Et j'ai recommandé quelques diamond painting que j'ai craqué dessus. J'attends deux nouveaux livres à colorier aussi, un de chez Shein.
Tout ça à cause d'une abonnée qui m'a envoyé le lien en me disant, regarde, tu pourrais faire des trop beaux trucs avec ça. Donc du coup, je l'ai commandé. Voilà. Et voilà. Donc moi, je vais vous reprendre en bas, comme ça, je vous montre ce que j'ai acheté chez Action. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Bah, il n'y a pas tout, hein, parce qu'il y a des trucs que j'ai déjà rangés, mais je vous montre le principal. Je vais vous dire que mes carreaux sont dégueulasses. À chaque fois que je suis ici, je le vois. Et voilà, je vais déjà ranger ma palette, redescendre mes pinceaux pour les laver. J'ai toujours pas lavé mes pinceaux, hein. Ça fait une semaine qu'ils sont en bas. Attends, je les ai toujours pas lavés. Voilà. Ah oui, j'ai refait mes ongles aussi. Bah, je vais vous les montrer tant qu'on est en haut. Un vernis, un highlighter, et voilà. Je sais pas si vous voyez bien l'highlighter. J'ai pris, vous savez, les éponges jetables triangulaires carrées là. Et j'ai pris vraiment la tranche la plus fine et j'ai trempé dans mon highlighter et j'ai juste fait un trait au milieu. Bon, des fois avec le. Mais voilà, j'aurais dû mettre plus de top coat parce que là c'est déjà en train de partir en cacahuète alors que je les ai fait hier. Bref. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup la couleur. C'est un des vernis là que je vous ai montré la semaine dernière, que j'ai acheté là dans le truc pas cher d'une marque que je connais absolument pas chez Auchan. Et je suis bluffé. Là, j'ai mis qu'une couche et c'était totalement opaque, quoi. Franchement, prochaine fois que je vais chez Auchan, je pense que je vais m'en reprendre quelques-uns. Je voulais retester des semi-permanents, mais comme j'ai les cuticules qui pèlent, je ne sais pas pourquoi. Ça m'arrive souvent en été, hein, d'avoir les doigts qui pèlent. Une fois qu'il fait un peu chaud, j'ai des petits boutons et puis ça pèle. Mon kiki, tu viens dire bonjour? Viens. Bonjour, mon kiki. Viens montrer comme t'es beau, mon petit kiki d'amour. Oh, je n'en ai pas léger. Moi aussi, mon petit kiki d'amour. C'est un maman. Bah, arrête. Oh, il me roule des pelles, lui. Je te fais pas de bisous, j'ai du rouge à lèvres. Tu vas en avoir plein sur toi. Tu regardes les gens comme tu leur montres comme t'es beau. Comme t'étais le plus beau bébé du monde. Oh oui. Non! Pas, mais arrête. Je te mange. Ah, tu veux te faire le bébé? Oui. Voilà, le petit bébé, sa maman. Oui, c'est le petit bébé, sa maman. C'est vraiment le petit bébé. Allez, on descend. On en fait ce qu'on veut de ce chien. C'est un truc de fou. Hier, Sam essayait de faire ses lacets pour partir à l'école et le chien était couché sur le dos, les quatre pattes en l'air entre ses pieds. Totalement soumis, ce chien. Et la grosse, elle dort là dans son petit coussin. Ah, ça y est, je suis maquillée, j'ai le nez qui coule. Donc, bah, je vous reprends en bas. Voilà, je viens de nourrir les chiens, donc je peux enlever ça. Voilà, tout simplement. Je respire. Donc, hier, j'ai terminé celui-là. Le Diamond Painting, là. C'est un tout petit, hein, 20 x 20. Et j'ai commencé celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est un slash Harry Potter, on va dire. Ah, si vous voyez bien. Voilà. Bon, j'ai collé que quelques strass. Hein, j'ai commencé ici, en dessous. Donc, voilà la partie qui s'enlève. Je coupe hein, des petites bandes comme ça. Et j'ai commencé celui-là. Voilà. Je pense que je vais en faire un petit peu juste après. Alors, chez Action, ce que je voulais vous montrer, c'est principalement ça. Alors, mon plat, voilà, les plats en plastique, là, j'en achète à chaque saison. Il faut que je rachète des de Noël d'ailleurs pour cette année parce que les miens sont décolorés à force de passer au lave-vaisselle. Ils sont vraiment pas bien chers, ils sont tout légers et tout, et moi je les adore pour faire bah, toutes mes salades en fait. Ouais. Donc là j'ai racheté celui-là parce que c'était les nouveaux. Pour le Diamond Painting, j'en ai acheté deux. J'ai acheté deux boîtes comme ça, donc c'est des piluliers, hein. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Pillcase, c'est des boîtes à cachets quoi. Donc vous avez les 7 jours et 4 compartiments qui s'enlèvent hein, individuellement. Je vais vous montrer puisque j'ai déjà commencé à ranger mes strass. Dans l'autre, voilà, tout simplement, et je trouve ça hyper pratique. Alors, ceux qui sont je les ferme comme ça avec du masking tape, hein, ceux qui sont entamés, parce que je peux pas mettre tout dans la petite boîte, mais c'est pour mettre ceux que qui sont dans ma petite coupelle comme ça. Parce que c'est très chiant à remettre dans les sacs. Franchement, ils pourraient trouver un autre système pour les sacs, un système zippé. Je sais qu'ils en vendent, hein, voilà, vous pouvez en acheter tout simplement.
mais il pourrait d'office vendre un autre système. Du coup, j'ai collé, pareil, un petit bout de masking tape dessus pour mettre les numéros. Et voilà, ici, c'est les strass que j'ai commencé à poser, qui me restaient dans ma coupelle. Et voilà, tout simplement. Comme ça, ça permet que ce soit rangé et que je ne les perde pas. Donc ça, j'en ai pris deux. Même si vous faites du bricolage ou des trucs comme ça, ben, pour ranger vos strass et compagnie, c'est hyper pratique. Pour mes colos, j'ai acheté du double face comme ça, assez fin. J'aimerais bien trouver un qui fait la moitié encore. Parce que j'ai vu ça sur une vidéo, une chaîne que je ne sais plus laquelle. Elle mettait ça pour faire des cartes en fait, et elle mettait des pigments multichrome, des paillettes et tout ça par-dessus pour faire des bandes. Donc voilà, j'ai eu envie de faire la même chose et j'ai pris ça. Dans les soins, la dernière fois, j'avais trouvé le gel douche à la pastèque, mais j'avais pas trouvé le shampoing et le masque. Maintenant, c'est chose faite. C'est pas une odeur incroyable, j'ai pas encore utilisé le gel douche parce que ce genre de gamme, j'adore utiliser le trio en fait. Donc voilà, une fois que la salle de bain sera totalement finie, je les mettrai sous la douche. De toute façon, l'été, là seulement un jour ou deux là qu'on y est. Et on a trouvé 3 sur les 4 gels douche Chupa Chups. Voilà, il manque le rouge. Donc on a su au Coca que je supporte pas cette odeur, mais de là, ils sont super bons. Je savais que chéri, quand il allait les voir, il allait les prendre. Je sais qu'il adore ce genre de conneries-là. Et Sam aussi. Mais celui-là, ils sont super bons. Celui-là, c'est à la fraise. Et celui-ci, c'est au tutti frutti. Ils sont super bons aussi. Le coca, j'aime pas du tout. Hein. C'est les odeurs vraiment... Ils sont super bons. C'est les odeurs vraiment comme les petits bonbons coca, là. Ou les sucettes, bah, Chupa Chups, quoi. J'aime pas ça du tout. Mais voilà, comme ça, je vous ai montré. Et je vais pouvoir aller les ranger. Parce qu'ils me traînent là depuis le week-end dernier. Et ça m'énerve. Déjà que j'avais rangé toute ma table. Hein. Je vous avais dit qu'elle ne resterait pas rangée. Hein. Voilà, il y a deux paniers de linge à chérie qui traînent. Bon, il y a mes pinceaux et mes tasses. Voilà. Mais il y a la farde de Sam, des fringues à Sam, des fringues à chérie. Il y a deux pains. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait deux pains sur la table. Alors qu'on a une cuisine hein, où on peut ranger le pain. Mais non, 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 ils traînent sur la table. Voilà. Donc ma déco, on la voit à peine. On la voit à peine. Il y a un gâteau. Chérie a acheté un cake aux pommes hier chez Ospar et il traîne sur la table. Ma table est un bordel sans nom. Ah, j'ai plus de batterie. Donc sur ce, on peut switcher de jour. Alors il est 8h15. Je viens de faire ma première boulette de la journée. J'en ai déjà fait une belle hier soir. On va commencer par hier soir. J'ai cuit une courgette pour manger avec le repas. Sauf que j'ai fait tomber la casserole. Donc sur toute la courgette, il restait... ça dans la casserole, juste pour moi, voilà. Heureusement qu'il n'y a que moi qui en mange. Chérie court pas après et ça m'aime pas. Parce que ben, il restait une cuillère à soupe. Voilà. Donc ça c'était la connerie d'hier. Aujourd'hui, alors j'ai déjà détartré ma Dolce Gusto. J'ai lavé mes pinceaux. Je vais sortir les chichous. Je viens de nourrir les chiens. J'ai rangé un peu la table. Pour pouvoir poser mes pinceaux. Et j'ai fait la mise à jour Palworld. J'avais trop hâte de tester. Je me suis dit, je vais tester avec vous en vidéo. Et la poster tout de suite. Sauf que ben, j'ai filmé ma tête avec l'appareil. Mais j'ai oublié d'enregistrer l'écran. Donc, pas de vidéo. Voilà. Mais voilà, ça a l'air prometteur comme mage. J'ai hâte d'y jouer un peu plus, mais là je pense que je vais d'abord me recoucher. Riley, la casserole elle est vide. Elle va me traîner la casserole dans toute la cuisine tant que je l'aurai pas enlevée. Donc ben voilà, pas de vidéo sur le mage. Et là je vais aller me coucher parce que Ryan a commencé à me réveiller à 3h30 je crois. Pour finir, je me suis levée, il était moins de 5h. Il n'était pas encore 5h, il était 5h moins le quart. J'ai déjà pas arrêté, là, sur 3h30. Et du coup, je suis éclatée. Là, je suis complètement éclatée. Donc, je crois que je vais boire mon café et aller à la sieste. Et voilà, tout simplement. Hier, j'ai nettoyé, j'ai changé mes draps.
J'ai remis le canapé en ordre, ça ne se voit déjà plus. Bon, que j'ai nettoyé, ça se voit déjà plus non plus, vu que Ryan est mu. Donc, j'ai ramassé une touffe de poils comme ça. J'ai encore fait des commandes Temu aussi. J'ai précommandé mon jeu Flintlock. Non, pas si, Flintlock. Je l'ai pris sur PS. Parce que, ben parce que j'ai la PS. Tout simplement. Il était un peu moins cher sur PC. Parce que j'avais une réduction de 10%. J'aurais pu les avoir aussi si je prenais le truc extra. Mais bon, pour l'instant, comme je voulais le jeu là, il y a la mâche Palworld qui est sortie. Donc ça va me permettre de tenir à peu près jusqu'au 18 la sortie du jeu. Et le 23, il y a Ova Magica qui sort, mais là je pense que je l'achèterai sur PC parce que je pense qu'il sera vachement moins cher sur PC que sur PlayStation. Je sais pas, je verrai suivant le prix. Il sort le 23. Et j'avais vu la bande-annonce d'un jeu Farm Sim aussi sur les Hobbits dans la Comté. Mais j'ai vu les trucs, ça a l'air nul à chier. Mais alors nul, hein. Yuki, fouille la paix! Par contre, j'ai vu un jeu qui a l'air super intéressant, qui va bientôt sortir. Pas enfin, bientôt, il n'y a pas de date. Alors attendez, je reprends ma liste, non, ma liste de souhaits sur Steam. Donc là, j'attends Ova Magica, ça c'est clair. Kitori Academy aussi, mais il n'y a pas de date. Et Farm Folks, qui a l'air vraiment pas mal. Je regarde plein de vidéos là, en ce moment sur ce jeu. Pas de date non plus. Meatlight and the Secret of the Universe. Mais celui-là, il sort que le troisième trimestre 2024. Et il y a Vision of Mana qui sort le 29 août. Mais il est 60 balles. Donc là, j'hésite fortement. Donc voilà. Il y en a vraiment trois que j'attends. Là, c'est Ova Magica, Kitori Academy et Farm Folks. Il n'y a que Ova Magica qu'on a la date du 23 juillet, les autres il n'y a pas de date. C'est un peu con. Et ouais, Meatlight là, and the Secret of the Universe. Enfin bref, vous avez compris, les secrets de l'univers. troisième trimestre 2024, donc troisième trimestre, oui, c'est fin d'année quoi. Automne. Je pense que ce sera vers septembre-octobre. Donc voilà, j'ai le temps. Et l'autre, le jeu, c'est le Seigneur des Anneaux, là. Tales of the Shire, donc histoire de la Comté. Tales. Je sais pas trop. Il n'y a pas de date d'évaluation de sortie, mais alors. La bande-annonce a l'air terrible. Ça a l'air vraiment très chouette, mais le gameplay a pas l'air terrible. Hein, vraiment pas. Puis les visages sont pas bien faits. Bon, c'est pas, ça a pas l'air, je pense pas que je le prendrai celui-là. Donc voilà. Vous avez toute ma wishlist jeux pour l'été. Mais les graphismes des paysages sont vraiment beaux, mais alors ouais, les hobbits sont pas bien faits et le gameplay a pas l'air terrible. Alors, apparemment, c'est vachement axé sur la cuisine. Donc, ouais. Riley, lâche-le! Riley! 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 C'est toi qui le tiens, tu lui grondes dessus! Je vous jure, les chiens. Mais alors, les chiens. Voilà. J'ai installé mon fond d'été hier. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais remettre ma bougie. Ah oui, ma bougie gnome avec la petite fleur là. Je l'ai oublié de l'éteindre. Je l'ai allumée hier soir, j'ai oublié de l'éteindre. Elle a brûlé toute la nuit, donc du coup, j'ai eu ma bague. Alors, je suis dégoûtée parce que c'est pas du tout une de celles que j'espérais. Elle est belle, hein, mais je pense pas que je la mettrai. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Elle est jolie, hein. Mais voyez, c'est un peu épais pour moi. C'est une taille 7. Elle vaut 35$. Donc, je pense que je vais la mettre sur Vinted. Il faudrait que je me décide à faire mes ventes Vinted. Tiens, un de ces quatre. Voilà, chérie a téléphoné hier pour le lustre au Brico Planète, puisque. Brico Planète ou Hugo, je ne sais plus. Parce qu'il ne trouvait plus de ticket.
Ils ont bien dit, pas de souci, vous pouvez la ramener du moment où vous avez passé la carte du magasin, le ticket est enregistré. Donc ça c'est génial parce que Pandora, quand j'ai perdu la perle de la bague que j'avais achetée quand Manon m'avait, donc ici, les petites ailes là, j'avais perdu le strass et bah, sans ticket, ils peuvent rien faire. Voilà, tout simplement. Alors qu'on a une carte de fidélité, tous les achats sont enregistrés, mais non, si vous n'avez pas le ticket de caisse, il ne change pas. Il remplace pas la pierre, rien. Donc moi j'ai recollé un strass tout simplement dedans avec... C'était du truc UV, donc avec du top coat pour les ongles, je crois que j'ai mis. Et ça tient. Donc voilà, une fois que ça sera tombé, ben, j'en mettrai une autre. Elle existe en rose et en blanc. Ben, moi j'en ai une multichrome. Ah, voilà, moi j'ai une unique. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais remettre ma bougie gnome du coup dans mon fond d'été, puisque comme elle a bien cramé, là, il me reste déjà plus grand chose dedans, donc je vais l'économiser. Elles sont bon, hein, mais elles sont pas fort. Voilà, comparé aux autres charmées d'aroma que j'ai, c'est celles qui sentent le moins dans celles que j'ai. Donc je vais aller la mettre en haut dans mon fond d'été et j'ai fait une razzia en diamond painting là sur Temu. Il faut que j'arrête. Oh là là là, mais j'en ai eu des trop beaux et comme la plaque papillon là, ben, j'en ai commandé plein. Voilà, vous la verrez dans mon fond, je l'ai mise dans mon fond. J'en ai déjà commandé pour Noël, pour être sûr de les avoir. J'ai commandé pour Halloween aussi, automne. Ouais, voilà. Ouais, donc je vais aller vous montrer ça en allant me coucher. Et je crois que je vais juste acheter mon café et aller me bouger parce que là, je ne tiens plus. Oh, j'ai coup de pompe là. Waouh! J'ai des trucs à mouches partout dans la maison et j'ai toujours autant de mouches. Je ne sais plus quoi faire avec ces mouches de merde. Là, j'ai branché mon appareil à mouches tant que je vais dormir. Comme ça on élimine quelques-unes. Sans que la chienne fasse des bombes de 15 km. Oui, parce que Riley a peur à chaque fois qu'il y a une mouche qui rentre dans l'appareil. Ça fait. Elle a peur. Et elle attaque le feu. J'avance un peu sur mon diamond painting et je varie aussi avec des colos. J'en ai fait un hier que je vous ai filmé en short. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez pour que je me motive à faire le montage. Aujourd'hui, je voulais faire tous mes montages. Il faut que je fasse de toute façon. Et là, après, j'ai deux portraits Disney. J'ai envie de faire. Oh, en ce moment, je suis dans la place Disney. Là, j'en ai fait déjà plein. Mais j'ai envie de faire Clochette. Elle est trop belle. Et Dégout. Obligé. C'est un de mes Disney préférés, vite faire ça. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et j'attends deux nouveaux bouquins. Non, trois nouveaux bouquins d'ailleurs. J'attends un avec des dragons, mais des plus kawaii baby. Riley, lâche-le! J'attends un avec des animaux de la forêt, mais pas comme celui que j'ai déjà. C'est un plus détaillé. Il y a des petites maisons de fées avec un écureuil, par exemple, des trucs comme ça. Et un que une abonnée m'a dit de commander sur Chine et que j'ai. Voilà, moi j'obéis. Vous me dites quelque chose, j'obéis. Est-ce que c'est l'excuse pour passer une commande? Bah, tout à fait, Thierry, tout à fait. C'est une avec des femmes beautés. Mais je crois que je vous l'ai dit. Hein. Je crois que je vous l'ai dit hier. Attendez, je prends le détail. De toute façon, vous verrez le haut, là. Hein, vous le verrez plus en détail. Macabre Beauties. Et c'est vrai qu'il y en a des très belles. C'est assez dark, comme moi j'aime bien. Il y a des skulls del Dia de los Muertos. Ça, c'est un livre qui devrait plaire à Christine. Combien est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'ils disent combien de cours il y a? Attendez. 22 pages.
Est-ce que c'est 22 pages uniques ou pas? Je ne sais pas, il ne montre pas. Par contre, il montre tout, quasi tous les dessins. Mais je pense que ouais, c'est 22 pages uniques. Hein. Oh, eh ben, c'est vachement. Oui, du coup, j'ai en train de regarder parce qu'il y a 4 bouquins différents. Ah, il y en a un sur les femmes vintage là. Afternoon tea. Ouais, bon. 6 euros qu'il était le bouquin. Ouais, c'est ça. Et avec la réduction que j'avais, je l'ai payé. Ah non, il était 4,25 quand je l'ai commandé et je l'ai eu à 3,19. Voilà. Oh, elle m'énerve. Bref, j'ai hâte de recevoir tout ça. Je n'en peux plus de ces clébards. Alors en diamond painting quand même, j'en ai commandé avec les plaques, hein, donc les sur toile et en plaques. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai de quoi faire. Bon, après les petites plaques, ça va super vite. Donc voilà. Bah, je suis contente de m'y être remise un peu là parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de diamond painting. Donc voilà. Tout simplement. Donc sur ce, je vous reprends en haut juste avant d'aller faire dodo. Alors voilà pour le fond d'été. Alors faites pas attention, il faut que j'en ai un coup là, mais j'ai oublié de remonter un bazar pour nettoyer. Donc j'ai mis le petit papillon là, ça donne trop bien et j'ai commandé plein de plaques comme ça pour décorer mon fond. J'ai mis ici la petite bougie que Sam m'avait fait. Voilà, tout simplement. En dessous, j'ai toujours ça. Ça bouge pas. Ça, pour l'instant, ça bouge pas. Ici, j'ai mis ça. Quoique le Bambi, je pourrais peut-être l'enlever, hein, parce que c'est plus vraiment de saison. Je vais peut-être remettre ma petite couronne. Ouais, d'ailleurs, je vais peut-être même la mettre. Je vous filme. Voilà, je vais la mettre comme ça. Du coup, j'ai remis la bougie gnome qui a bien fondu, hein, comme vous pouvez le voir, puisqu'elle est restée allumée toute la nuit. Et j'ai mis le cupcake en tout avec mes deux petites souris que c'était un petit cadeau de Manon, donc je crois. Oui, il me semble. Donc je les laisse là. Voilà. Je les aime bien mes deux petites souris, le roi et la reine. Donc voilà, je change jamais grand-chose. Hein, mais voilà ce que ça donne. Et j'adore ce petit papillon. Les strass sont vraiment très beaux. Et vous voyez, il y a des gros, donc ça va très vite à faire. Et je trouve ça très joli. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, allez, moi je vais me coucher. Donc, on se dit 2 jours. Alors, il est 10h15. J'ai été à la douche, mes cheveux sont déjà quasi secs. Je vais remettre un peu de crème d'ailleurs. J'ai acheté 2 jeux ce matin. Y a des belles promos sur Steam pour ceux qui aiment jouer sur PC. Donc j'ai commencé, là j'ai pas joué encore, hein, mais voilà, tout simplement. J'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui, donc on va clôturer rapido. N'oubliez pas qu'il y a un changement d'horaire de vidéo à partir du mois prochain. Donc si je dis pas de bêtises, c'est à partir de lundi pour vous. Enfin, de demain pour vous. Ouais, c'est ça. Donc vous aurez les vidéos maintenant le lundi, le mercredi et les vlogs le samedi. Comme ça, le vendredi et le dimanche, je peux toujours mettre des bonus suivant comment j'arrive à filmer. Voilà, je verrai bien. Comme je vous ai déjà dit, je ne me prends plus la tête parce que ça sert à rien. Désolé pour le bruit. Donc voilà pour ça. Là je vais jouer un peu. Je sais pas lequel. J'ai acheté 2 jeux, donc je sais pas par lequel commencer. Ah oui. Ah oui, je reçois 2 commandes Temu aussi aujourd'hui. Donc je sais pas si je vais filmer le haul aujourd'hui sans maquillage ou quoi.
Ou si j'attends. Ah ben non, ouais, je voulais attendre. Il y a encore une commande que je veux attendre, donc je vais attendre, tout simplement. Voilà. Là, je vais d'abord. Au lieu de bouger mon fauteuil, je m'acharne dans mon tiroir. Là, je vais achever de mettre l'acrylique. L'acrylique. L'aquarelle sur mon fond de mon dessin avant de passer au colo. Voilà, j'ai commencé. Je suis en train de faire des goûts. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Enfin, de toute façon, vous le verrez dans les colos terminés, mais je vais quand même vous montrer ma petite clochette. Je suis trop fière, elle est trop belle. Elle est trop belle. Voilà, voilà. J'aime beaucoup ce petit carnet, les portraits là. C'est en format petit, hein. Il existe en plus grand aussi. Mais j'aime beaucoup. Il y a un peu tous les dessins animés dedans. Enfin, il y en a plein, plein, plein. C'est 60 images ou 40? Attendez. Je crois que c'est ouais, 60 portraits. Et bah, du coup, ils vont vite à faire parce que c'est des petits formats. Donc, j'aime beaucoup. Il y en a que je m'amuse à faire juste à l'aquarelle, juste à la peinture, juste au feutre. Enfin, pour l'instant, en feutre, j'ai pas fait. Mais voilà, je m'éclate beaucoup dans ce petit bouquin. Et voilà, bah écoutez, c'est tout. Je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. Je réfléchis, hein, mais je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. À part le changement d'horaire des vidéos, il n'y a rien d'important. Chérie a été changé de lustre hier. Voilà, ils vont changer, donc il va certainement le mettre aujourd'hui. Il a été faire des joints dans la salle de bain. Il lui reste ben, un mur à faire en fait, les joints d'un mur, et puis il veut la terminer ce week-end, donc au moins de carreler ce week-end, comme ça il a dit lundi je rentre, enfin après la kiné je m'évite le chiotte, le mardi par exemple il met le meuble, et puis après ben, ça sera terminé complètement, un bon coup de nettoyage pour enlever les traces des joints, enfin du produit pour les joints sur les carrelages, accrocher les petits paniers, tout ça, mais voilà. On est bien tintin. Donc sur ce, on se retrouve demain avec la deuxième partie du haul. Timu. Et j'ai rien tourné d'autre pour l'instant. Donc normalement, c'est une palette à make-up avec la Norvina 3 mercredi. Vendredi, je pense que je vais vous mettre les produits terminés si j'ai le courage de filmer. Et samedi, donc le vlog, c'est à 17h30, ça ne change pas. Mais je sais pas. Je verrai bien. Je pense que demain matin, si chérie dort un peu le matin, je tournerai les deux vidéos, là, Norvina 3 et produit terminé, comme ça c'est fait. Il faut absolument que je fasse le montage du haul. Et voilà, voilà. Donc, et ben voilà. Donc sur ce, n'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Et en attendant, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.